Voilà, bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Ce soir, très heureux de nous retrouver, vous devant vos écrans d'ordinateur, de smartphone, et moi dans ce lieu, dans cette salle, pour ensemble partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et notre lecture ce soir va se porter dans le livre des Actes, au chapitre 16 et au verset 22. Nous lisons ceci. « La foule se souleva contre Paul et Silas, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges du Seigneur, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Mes seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs pieds et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, et les ayant conduits dans son appartement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Voilà ce passage bien connu du livre des Actes des Apôtres, qui est aussi le livre des Actes du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui croient au Seigneur Jésus, s'attendent à lui, lui font confiance dans toutes les vicissitudes de ce monde passé comme actuel. Il y a une réalité, celle de la protection de Dieu, celle du recouvrement de Dieu, de la couverture de Dieu sur ses enfants. Tout se termine bien par un happy end, comme on dit dans certains films de cinéma, un dénouement heureux. Mais la question qu'on pourrait poser, c'est ce soir, qui est vraiment libre dans cette histoire? Parce qu'il y a une sorte de paradoxe, quelque chose de contradictoire. Parce qu'il semblerait que le geôlier, lui, soit libre. On va faire un petit peu la présentation des différents protagonistes de ce récit. Le geôlier, au départ, est un homme libre, un homme qui a une bonne situation professionnelle, qui est à la solde de l'Empire romain, qui peut vivre avec ce sentiment de sécurité, quand bien même il a affaire au fait de garder des prisonniers, d'être le directeur d'un établissement pénitentiaire. C'est quand même pour lui une position relativement stable et de sécurité. Peut-être envisage-t-il déjà dans ses rêves de se projeter en direction de la retraite administrative. Tout semble bien réglé. Rien ne saurait venir empêcher les rouages de tourner, de venir se gripper. Et voici qu'on apprend que cet homme est là pour symboliser et nous mettre en évidence le fait que, il me semble, tout être humain recherche cette forme de sérénité, de paix et de sécurité. C'est dans le fond de l'être humain, dans son cœur, qu'il y a cette aspiration à la paix, à la sérénité. Combien de forums sur Internet sont en train d'ouvrir chaque jour pour parler de paix, parler d'être bien avec soi-même, d'être en paix avec les éléments qui nous environnent, etc. Il y a tout un commerce qui se fait autour de cette idée, de cette pensée, de la paix, de la sécurité pour l'être humain. On peut aussi réaliser que cet homme, peut-être lui s'auto-convainc, essaye de s'auto-persuader qu'il serait à l'abri
d'une catastrophe. Après tout, les murs de cette prison ne sont-ils pas suffisamment épais et larges? Peut-être y a-t-il eu, à un moment donné, une tentative de sédition, une tentative d'évasion, mais à l'époque, les choses étaient très vite réglées, les choses étaient d'une manière expéditive mise en place pour empêcher tout prisonnier de vouloir ainsi chercher son émancipation. Il y avait une sorte de terreur qui pouvait régner à l'intérieur de cet établissement parce qu'il y avait là la réalité d'une garde qui était une garde de fer, et toute tentative d'évasion était bien sûr muselée dès le départ, était tuée dans l'œuf. Cet homme, certainement voulait-il aussi maîtriser son environnement, c'était quand même son rôle d'assurer la sécurité de cet établissement, de cette prison. Et peut-être qu'à l'image de ce geôlier, vous dites « mais je suis un homme libre, je suis en paix, j'ai une certaine forme de sécurité qui m'habite, je suis paisible, tranquille, rien ne peut contrarier mes projets, mes plans, parce que tout est établi, j'ai bordé, j'ai sécurisé tout mon environnement, j'ai la mainmise et le contrôle sur tous les écrans de contrôle de ma vie, et tout est au feu vert, il me semble. » La Bible dit cependant, et c'est une parole de sagesse du roi Salomon, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Proverbe 27, verset 1er. Il y a donc ce geôlier, rappelez-vous, un homme libre, de bonne situation professionnelle, familiale, qui vit dans un sentiment global de sécurité, de paix. Et puis, il y a deux autres protagonistes que sont Paul et Silas, les témoins du Seigneur, qui, eux, au départ de notre récit, ne sont plus des hommes libres, mais ils ont été saisis par la justice, et ils ont été malmenés, on leur a arraché leurs vêtements, on les a battus de coups, et on les a jetés en prison sans aucune forme de procès que ce soit. Ils ont été maltraités, ils ont été injustement accusés de choses qu'ils n'avaient pas faites et produites. Ils sont privés de cette précieuse liberté qui est l'aspiration de tout être humain, et ils ont mille et une raisons de voir la vie en noir, de se dire « mais c'est injuste », de crier à l'injustice, de se révolter et de dire « eh bien, c'en est assez, il va falloir que nous entamions des procédures administratives pour, eh bien, contrer ce jugement inique qui n'y a fait que nous sommes maintenant dans la prison, et pas n'importe quelle prison, la prison intérieure qui se trouvait non pas au rez-de-chaussée de l'établissement pénitentiaire, mais qui se trouvait dans les bas-fonds, à l'endroit le plus sordide qui soit, là où on mettait à mort certains des prisonniers. C'est là, dans cette sombre géole, cette cellule, peut-être sans fenêtre, mais avec beaucoup d'humidité, peut-être avec des rats qui circulaient en visiteurs, venant chatouiller les doigts de pied de ces prisonniers. C'est là, dans cette prison, qu'ils se retrouvent. Et on pourrait dire, mais qu'ils sont tristes, qu'ils sont malheureux, quelle injustice! Et cependant, nous découvrons au verset 25 que Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils ne se lamentent pas, ils ne pleurent pas toutes les larmes de leur corps, mais ils sont en train de prier et de chanter. Et ça, c'est la force du témoignage chrétien, qui fait que, quand bien même nous serions à même enseigne que nos contemporains concernant les vicissitudes et les difficultés de la vie, quand bien même nous serions injustement accusés de tel ou tel méfait, cependant la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est capable de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, de ne pas désirer que le souffle de la vengeance ravage nos adversaires, mais que nous puissions prier, intercéder, demander le secours de Dieu, là même où nous sommes, eh bien, injustement accusés, là même où nous nous retrouvons comme emprisonnés. Ils savent que Jésus, leur Seigneur, a promis la chose suivante, et nous trouvons
Les paroles du Seigneur dans Matthieu 5, 10, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. » Ils connaissent et ils ont entendu les paroles du Seigneur dire « Et voici, je suis avec vous chaque jour, tous les jours, jusqu'à la fin de ce monde. » Ils ont retenu cette promesse du Seigneur qui dit « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu ce monde. » Quel exemple et quel modèle pour nous qui parfois, eh bien, pour des peccadilles, des broutilles, sommes, eh bien, entrons dans la spirale de la déprime, qui d'un moment à un autre pouvons voir toutes les choses d'une manière obscure et sombre. Et alors que ici Paul et Silas ont vécu quelque chose de terrifiant, de terrible, et cependant ils prient, ils louent, ils bénissent. Je me souviens du témoignage de ce pasteur cubain qui, eh bien, lui aussi avait été emprisonné pour sa foi dans les années 80 par ce régime particulier qui occupait Cuba à l'époque. Et là, dans cette prison, il a commencé à parler du Seigneur à son voisin de cellule. Et puis, du fait qu'il témoignait, on lui a fait des menaces, on l'a intimidé, mais ça n'a pas empêché ce pasteur Orson Villa de témoigner, de continuer, de persévérer dans cette voie-là. C'était comme un fleuve qui débordait de son cœur. Et il a commencé à témoigner à un autre prisonnier de sa cellule, si bien que on l'a déplacé dans une seconde cellule. Mais là, alors que les geôliers pensaient qu'il se tairait, il a commencé à témoigner à nouveau à ses voisins de cellule, lesquels ont commencé à donner leur cœur au Seigneur, à se convertir, si bien que au bout d'un certain temps, de déplacer de cellule en cellule, ce pasteur s'est retrouvé dans le bureau du directeur et le directeur lui a dit « Écoutez, sortez de ma prison, parce que depuis que vous y êtes rentré, c'est plus de 200 détenus qui ont donné leur cœur au Seigneur. Alors, on ne veut plus vous voir ici. Quelle grâce !» Et si cela nous arrivait aujourd'hui, et si nous étions des Paul et Silas, des Orson Villa, des hommes privés de leur liberté, aurions-nous la faculté, et je m'adresse aux chrétiens ce soir, de prier et de chanter les louanges du Seigneur en dépit des fers à nos pieds, en dépit de cette privation de liberté. Que Dieu nous aide à avoir ce courage de l'Évangile et de la foi. Alors d'un côté, on a un homme libre, le geôlier, de l'autre, deux captifs. Mais je vous pose à nouveau la question, et ce soir, elle est pour toi qui es libre de tes mouvements, libre d'aller à ton travail, libre de vaquer à des occupations, libre d'aller prendre des congés. Qui est réellement libre? Qui est réellement libre? La Bible nous apprend que nous agissons en homme libre, alors même que nous sommes en réalité comme privé de cette liberté, car il y a au-dedans de nous une loi qui nous contraint et qui nous pousse à faire des choses que nous n'aimerions pas faire. Nous trouvons dans l'épître de Paul aux Romains ce passage très intéressant où voici ce que déclare Paul. « Car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais qu'il y a au-dedans de moi une loi supérieure, qui est la loi du péché. J'aimerais faire le bien, mais je ne puis, j'en ai pas le pouvoir. » Et ça, c'est la réalité de ce qui anime toutes celles et ceux qui n'ont pas déposé leur vie aux pieds du Seigneur. La Bible dit que si donc le Fils de Dieu vous a franchi, alors nous connaîtrons la véritable liberté. Non pas celle promise par les médias de ce monde, par les entreprises commerciales et tout autre moyen humain, mais la vérité que Christ est capable de nous apporter, qui nous rend réellement libres.
Et nous avons besoin de cela. Dans ce texte, il y a un élément de pivot au verset 26. Il est dit « tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre ». Tout à coup, littéralement dans le grec, c'est soudainement, c'est dans une fraction de seconde, à un moment T particulier, tout a basculé. Les cartes vont être redistribuées. Ceux qui étaient libres se trouvent être prisonniers et ceux qui étaient dans les cellules de la prison de Philippe, la ville de Philippe, vont se retrouver libérés. Les données initiales vont changer du tout au tout. Je me souviens qu'à l'âge de 17 ans, je devais m'engager pour la marine pour 5 ans. Et avant cela, il y avait une visite tout à fait banale, si je puis dire, quelque chose de tout à fait formel, une visite médicale qui allait de soi. Et les 278 membres de l'école à laquelle j'appartenais, l'école des Mousses à Brest, ont passé cette visite. Tout s'est bien passé pour chacun des 278 jeunes aspirants à entrer dans la marine nationale, et il n'y en a qu'un, le 279e, qui n'a pas pu aller plus loin, c'était moi. Et on m'a découvert dans cette visite de routine un décollement de la rétine, et tout s'est arrêté. Je me suis retrouvé du matin de cette visite à l'après-midi dans une chambre d'hôpital avec une prévision d'opération, etc., etc. Il y a eu un tremblement de terre. Et la direction que je pensais prendre pour ma vie a été radicalement changée du tout au tout en l'espace de quelques secondes. Et là, c'est ce qui se passe. Pour ce geôlier, c'est un coup de tonnerre extraordinaire. C'est un coup de barre, si je puis dire même. C'est la fin de ses rêves en couleur. Voici que tout s'effondre. Ce n'est pas simplement les murs de sa prison qui s'effondrent, mais c'est toutes ses aspirations, tous ses rêves, tout ce qu'il pensait. Il est dit que le geôlier se réveilla. Il y a des réveils qui sont difficiles dans la vie. On peut se réveiller avec une mauvaise nouvelle, celle du départ d'un proche, d'un ami, qui hier encore était en bonne santé et qui a succombé à une crise cardiaque au milieu de la nuit. On peut se réveiller avec une lettre de son employeur sans qu'il y ait eu de préavis, sans qu'il y ait eu de choses qui annonçaient un événement particulier où on apprend qu'on est licencié. Il peut y avoir mille et une choses. On peut se rendre à une visite banale chez son médecin et ressortir avec un fardeau pesant parce que la nouvelle qu'il nous a apprise était terrifiante pour nous. Ce geôlier, lorsqu'il apprend que toutes les portes et qu'il voit que toutes les portes de la prison sont ouvertes, il sait très bien que son employeur, l'Empire romain, ne lui fera pas de cadeau. Il sait très bien que pour lui, c'est fini. Et au lieu d'attendre que les Romains le supplient, et le fassent passer par le supplice, eh bien, lui-même tire son épée en disant « à quoi bon maintenant poursuivre et continuer ?» Et c'est vrai que parfois, quand tout s'effondre dans notre vie, je m'adresse vraiment ce soir à peut-être une personne devant son écran qui dit « Mais moi, tout s'est effondré, ma femme est partie, le chômage a frappé, je me trouve démuni de tout, je n'ai plus d'aspiration à la vie, je ne sais plus pourquoi je suis sur cette terre au fond. » Et lentement, dans nos esprits ainsi, il y a comme quelque chose qui s'écroule sur lui-même. C'est toute notre vie qui peut s'effondrer, tous nos projets qui s'écroulent d'un moment, d'un instant à l'autre. Et ça peut être la situation que tu vis, c'est peut-être le drame qui t'envahit depuis maintenant quelque temps. Tous tes espoirs se sont évaporés, évanouis en fumée. Il y a eu une déception terrible, une formidable désillusion, une terrifiante désillusion, une rupture, encore une fois, une revers de fortune, que sais-je. La pression est tellement forte sur ta vie que tu ne supportes plus l'échec et que tu vois qu'une seule issue maintenant apparaît devant toi, qui est celle du suicide. Mais j'aimerais te dire que le suicide n'est pas la solution à ton mal de vivre. J'aimerais te dire que le suicide
n'est pas ce qui va littéralement résoudre ta situation. Mais c'est certainement l'option que voudrait te voir prendre l'adversaire de ton âme, qui voudrait t'aspirer dans la mort. C'est certainement pas ce que veut le Seigneur pour toi. Et combien de fois ai-je entendu des témoignages de personnes qui étaient au bord d'accomplir le geste fatidique qui mettrait fin à leur jour et qui, à un moment donné, eh bien, ont entendu parler de la bonne nouvelle. C'est ce qui va se passer pour cet homme. Alors qu'il tire son épée pour, finalement, se donner la mort, se tuer, Paul crie « Ne te fais point de mal, nous sommes là !» Et nous avons une bonne nouvelle à partager avec toi. Alléluia! De la même manière, j'aimerais te dire que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour toi. C'est cette bonne nouvelle qui a sauvé tant de personnes. Je pense à cette femme de Tarascon qui envisageait de mettre fin à ses jours et qui avait ouvert déjà le gaz de sa gazinière. Et qui s'apprêtait à fermer les fenêtres pour que le gaz ne s'échappe pas à l'extérieur de sa maison, mais reste contenu dans la pièce où elle allait lentement s'évanouir et perdre connaissance pour finalement perdre la vie. Et au moment où elle va fermer la fenêtre, du trottoir d'en face, de la salle évangélique qui s'y trouvait, retentit un chant qui dit « Ne te fais point de mal, car nous sommes là, et l'évangile du Seigneur ». Et là pour te faire grâce. Ne te fais point de mal, car Jésus a donné sa vie à la croix pour que tu ne te détruises pas. Ses paroles vont toucher, percuter son cœur. Aussitôt, elle va laisser sa fenêtre ouverte, fermer le bouton de gaz de sa gazinière, descendre l'escalier, traverser la rue, se retrouver à l'écoute de l'Évangile. Et dans cette même après-midi, cette femme est passée de la mort à la vie. Elle est venue à l'imposition des mains. Elle est venue demander le secours et la grâce du Seigneur pour sa vie. Elle a saisi que Jésus avait souffert pour elle à la croix. Et cette femme qui avait décidé, résolu de se donner la mort, eh bien, a été une fervente servante du Seigneur. Quelle grâce! Et c'est ce qui peut se passer pour ta vie aussi. Il est dit que Jésus a été blessé à cause de notre iniquité, qu'il a souffert à la croix pour nous donner la vie éternelle. Il ne veut pas que nous nous fassions du mal, mais lui a porté nos douleurs, nos souffrances à la croix, afin que nous en soyons quittes. Au verset 29, il est écrit « Alors le geôlier demanda de la lumière pour sa vie. » Pour peut-être constater le gâchis qui l'environne, mais surtout pour contempler un chemin d'espérance, une voie de salut qui s'ouvre devant lui maintenant. Le geôlier est peut-être celui qui, ce soir, du fond de ce récit du livre des Actes, est en train de te dire « Oui, j'ai vu la lumière briller du sein des ténèbres ». J'ai vu Jésus, celui qui a dit « Je suis la lumière, quiconque me suit, ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous savez, notre vie est comme un peu à l'image de ces anciens appareils photo qu'on appelait appareils, non pas numériques, mais argentiques, qui comportaient une chambre noire dans laquelle il y avait une pellicule. Sur cette pellicule, le film photographique, il y avait un dépôt d'argent, de particules argentées qui pouvaient se révéler qu'à un seul moyen, si on laissait à un moment donné, une fraction de seconde, pénétrer de la lumière dans la chambre noire. Et à partir de là, il y avait la révélation de tout ce qui se passe et de tout ce que l'objectif pouvait capter de l'extérieur. Et c'est un peu l'image de ce que le Seigneur veut faire de ta vie. Peut-être tu te dis « je suis dans une chambre noire », mais la bonne question c'est de se dire « Seigneur, n'es-tu pas celui qui veut faire jaillir la lumière pour ma vie ?» Et c'est ce qui s'est produit. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Et Paul et Silas vont dire « Crois au Seigneur Jésus ».
Mais ce soir, quelle que soit ta situation, quelles que soient les souffrances qui sont les tiennes, quand bien même tu te penses et t'imagines libre alors qu'en réalité tu es prisonnier de telle addiction, de tel péché, de telle situation qui te mine et t'emmène et t'aspire par le fond, le Seigneur est là pour te délivrer. Alors, j'aimerais qu'on puisse ensemble, simplement un instant, toi devant ton écran et moi ici même, prier ce Dieu de vie, ce Dieu de grâce, ce Dieu de lumière, afin qu'il vienne se révéler à ta vie, comme cette lumière qui jaillit dans l'appareil photo, qui va révéler eh bien, la réalité des couleurs de cette vie. Dieu veut te faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. On prie ensemble ? Seigneur, merci parce que ce soir encore, tu es celui qui veut parler à un cœur. Tu es peut-être, Seigneur, celui qui seul peut donner toute une dimension de vie nouvelle à celui ou celle qui se trouve dans son désarroi. Tu es celui qui peut accorder la grâce à celui qui se pense libre alors qu'il est totalement otage de l'adversaire, totalement prisonnier. Et Seigneur, ce soir, je veux te prier pour qu'il y ait une libération. Je veux te prier pour qu'il y ait maintenant, dans la vie de celui ou celle qui te cherche, des aspirations nouvelles que tu déposeras dans son cœur et dans sa vie. J'aimerais, Seigneur, ce soir simplement que tu permettes à celles et ceux qui entendent ta voix de dire « Me voici, Seigneur, viens à mon secours, secours-moi dans ma détresse, fais-moi grâce. » Merci de bénir ainsi ceux et celles qui s'approchent de toi par la foi. Je te le demande dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, avant de nous séparer, simplement, j'aimerais vous rappeler plusieurs choses. La première, elle est importante, c'est que je vous invite à lire la Bible. La Bible est la parole de Dieu, c'est elle qui vous conduira sur le sentier de cette vie. C'est elle qui vous éclairera. La Bible dit d'elle-même qu'elle est une lumière sur notre sentier qui nous éclaire dans cette nuit de ce monde. J'aimerais aussi vous inviter à écouter l'Évangile, à venir également assister à nos rassemblements qui auront lieu et qui ont lieu traditionnellement les dimanches matin. Actuellement, pour le dimanche 13 septembre à 10h, et puis à partir du 20 septembre, nous aurons un rendez-vous à 9h, un premier rendez-vous à 9h, pour lequel vous pouvez vous inscrire, et à 10h30, là aussi, vous pouvez vous inscrire en allant sur le site addlimoges.com, addlimoges, tout attaché, .com, et vous aurez le moyen de vous inscrire prochainement pour ces rendez-vous de la foi. Et puis, simplement vous rappeler que si vous souhaitez nous encourager, vous pouvez liker sur les vidéos, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Église Source de Vie de Limoges. Prochainement, dans les mois à venir, nous essaierons d'étendre eh bien, nos capacités de vous interpeller par la parole de Dieu avec de nouvelles émissions. Mais cela, c'est un projet pour lequel nous sommes en train de prier. Vous pouvez vous associer à nous dans la prière pour cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans sa paix. À très bientôt.